C'est une tradition qui se perpétue depuis 8 ans. Pour cette rentrée scolaire 2023-2024, la compagnie ivoirienne de production d'électricité Siprel a respecté une fois de plus ses engagements d'entreprise citoyenne. Appuyée par son partenaire, la fondation Eranov, elle a organisé le vendredi 13 octobre une remise officielle de kits scolaires et d'équipements d'entretien aux élèves du cycle primaire de Vridi. C'était à Port-Bouët-Vridi, au siège de Siprel. Nous sommes conscients des difficultés et des défis financiers importants auxquels sont confrontés chaque année de nombreux parents lors de la rentrée scolaire. Et nous sommes fiers de pouvoir apporter notre contribution pour alléger au mieux ce fardeau. Outre la distribution de fournitures scolaires, nous avons également, en juillet dernier, récompensé l'excellence en remettant des prix aux meilleurs élèves de l'IEP de Vridi et aux écoles les mieux entretenues. Dans la continuité de ces actions, nous réalisons aujourd'hui des dons en produits d'entretien pour les écoles dont les espaces sanitaires ont été rénovés. Ce sont 4000 élèves du préscolaire et du primaire des écoles primaires publiques de Vridi qui ont bénéficié de ce don d'un coût total d'environ 25 millions de francs CFA. La cérémonie couplée à la remise d'équipements du foyer des jeunes de Port-Bouët a été fortement appréciée par l'ensemble des acteurs. Cette action solidaire à laquelle s'associe désormais la Fondation Eranov s'inscrit dans notre engagement dans le domaine de l'éducation et traduit notre contribution pour relever le défi de l'éducation pour tous en Côte d'Ivoire. Toute la communauté éducative de la circonscription de Vridi voudrait sincèrement témoigner sa reconnaissance pour les efforts déployés pour que nos enfants puissent être dans de bonnes conditions d'apprentissage à chaque rentrée scolaire. Les donateurs ont encouragé les élèves bénéficiaires à persévérer dans la poursuite de leurs rêves avec détermination.